Bon les amis, petite vidéo, là on revient sur la ruche convaleur que j'ai divisé en 3, 1, 2, 3, et on va essayer de regarder si les rennes sont nées. Alors normalement on est le 31 mai, le jour où je filme la vidéo, et les rennes auraient dû naître normalement hier, le 30 mai. Donc on va regarder ça. Alors ici, hop, celui-ci très populeux, puisque fatalement il y avait tous les butineuses qui revenaient dans la ruche. On va quand même essayer de regarder ça. Alors on va voir la serre, hein, si elle est ouverte ou pas. Par contre, est-ce qu'on verra la reine? Ça, c'est une autre question. Alors, allons-y. Alors déjà, c'est très calme. Premier indice. Donc, bon, à l'origine, déjà, c'est une souche d'abeilles relativement calme. Mais là, bon, c'est calme pour le moment. Pas de soucis particuliers. Hop, je leur avais mis un cadre à bâtir. Ça commence tout doucement à le bâtir. Donc là, le but, hein, je pense que vous l'avez compris, c'est pas de chercher après la reine. Hein. Si on tombe dessus en regardant un peu, tant mieux. Si on la voit pas, tant pis. On verra tout simplement si, ben c'est, si la serre a été ouverte ou pas. Mais bon, là, effectivement, c'est très calme. Les abeilles ne battent pas des ailes. Ça ne chante pas. Donc, je pense que ben, ça doit être réussi. Ou alors, c'est blindé de serre. Et ben, ça n'a pas réussi. Donc, on verra. Mais bon, pour l'instant, ouais, c'est plutôt calme. Alors, hop, attention les filles, on continue à regarder. Donc la serre, elle est ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir peut-être sur la vidéo ou pas, je vais essayer de vous rapprocher ça au mieux en faisant pas de secousses. Voilà, alors en plus... J'ai un contre-jour, je vois pas grand chose. Donc on a la serre qui est ici, là, en plein milieu de l'écran. Et apparemment, hop, on voit la serre donc, qui a été ouverte. Il y a une abeille donc, qui est à l'intérieur. Ça a l'air d'être découpé. Donc je pense que la reine est née. Donc ça, c'est le point positif. Alors c'est vrai que j'aimerais bien la voir. Puisque ben, c'est toujours rassurant de voir la reine, surtout comme là au départ. Mais bon, si je la vois pas, je sais normalement qu'elle est née, il n'y a pas de souci. Elle doit être dans la ruche quelque part en train de se faufiler, de se cacher ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, j'ai rien à l'intérieur de... J'ai plus rien à l'intérieur de la cellule royale. Donc je pense que la reine doit être née et est là quelque part. Bien la trouver pour vous la montrer, mais à mon avis une reine vierge ça galope, et le temps que je la vois, bah elle est partie de l'autre côté où elle se cache ou je ne sais trop quoi. Allez, on va quand même regarder sur le dernier cadre pour essayer de voir, mais j'ai quand même un doute sur le fait qu'on la voit. Allez, on part pas espoir. On ne perd pas espoir. Bon là ici j'ai surtout du mâle qui est là. Pas de trace de la reine pour le moment. De ce côté-ci, pareil, surtout du mâle qui est là et qui se promène. Pas de trace de la reine. Donc bon, hop, on va refermer, on va laisser ça tranquille. Elle est née donc hier et on reviendra maintenant d'ici une dizaine de jours pour vérifier si la reine a été fécondée ou pas et comment ça évolue. Mais bon, pour l'instant effectivement dans celle-ci la reine est née.
Alors je vais pas vous ouvrir les trois, hein, je vais les ouvrir moi. Je couperai au niveau de la vidéo et puis je vous montrerai les cupules ouvertes ou non. Enfin, voilà comment on va faire. Après sinon on va encore être sur une vidéo qui va durer 107 ans, pour ne montrer pas grand chose. Donc là voilà, c'est bien, la reine est née. C'est calme, elle doit être là quelque part, on ne l'a pas vue. Mais la reine est née, ça c'est une certitude. Attention les filles. Hop là. Donc là voilà les apis, je vous montre hein, en vidéo, hop les trois CR ouvertes, donc les trois reines sont nées, c'est calme dans les ruches pour le moment. Alors j'en ai vu une dans une ruchette, là dans la deuxième, donc c'est plutôt positif. Maintenant attente de la fécondation, parce que c'est vrai qu'on est sur une année un peu particulière avec le temps qui joue un peu avec nos nerfs, hein. Il fait très chaud, il fait très froid, il pleut. Donc là pour l'instant on a du beau temps, donc si elle pouvait se faire féconder dans la semaine qui suit puisqu'ils annoncent du bon temps, ça pourrait être sympathique. Maintenant ben, il faut attendre, il faut être patient et puis on reviendra comme je vous le disais dans une dizaine de jours voir un peu ce que ça donne au niveau de la ponte ou pof, et à ce moment là on avisera. Allez les amis, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.